Elle veut sinon attirer l'attention. Elle veut s'attirer les regards, à s'attirer les attentions. Et les regards effrontés parce qu'elles font un petit pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur, pas Esaïe, le Seigneur, pas le pasteur dans l'église, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera. Voyez, c'est le Seigneur. C'est le jugement du Seigneur, c'est la discipline du Seigneur, c'est le châtiment venant du Seigneur en ce jour. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leur pied et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, même au lieu de mettre leur même amen, leur boucle d'oreille, il y a le collier, il y a des chaînes au poignet, des chaînes au pied. Alors, ils mettent, les gens la mettent, le bijou, les choses partout, et même percer le nez, mettre la chose là, et ils saturent tout le corps de ces choses. On dit que comme celui-là le fait, comme un footballeur le fait, une star de Hollywood le fait, ou bien ou Nollywood le fait, les reporters à la télé le font, celui-ci le fait, donc on doit le faire. Si on le voit dans tout le monde entier, si on le voit à la télé, on le voit partout, dans le média, on le voit partout. Et ceux qui ne connaissent pas là où ils vont, et le Seigneur dit qu'il va amener le jugement sur eux. Je prie que vous ne soyez pas sous le jugement de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 20. Les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les lages uniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Que le Seigneur délivre son Église. Que le Seigneur délivre nos femmes. Que le Seigneur délivre nos jeunes. Que le délivre toute l'Église de la compromission au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, comme on voit ce que l'apôtre a écrit, il a écrit aux églises des nations. C'est un apôtre aux nations. Même Paul qui écrivait à ceux qui étaient dispersés, écrivant aux enfants d'Israël, il a mentionné la même chose. Mais il n'a pas beaucoup expliqué parce que ces gens savaient. Ils connaissaient l'Ancien Testament, qu'ils ont été informés comme ça, que ces païens qui sont allés au-delà de ce qu'on peut penser, l'apôtre leur a dit que vous devez sortir de cet extrémisme pour devenir simple, pour devenir doux. Et je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. D'ailleurs, quelque chose qui montre que vous êtes quelqu'un qui est humble, vous êtes doux, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne s'étale pas, qui expose tout ce qui doit être couvert. Et il y a la pudeur et la modestie. Il ne se pare ni de tresse. Tresse ici, c'est-à-dire avoir l'attachement,
Mais ceci, parfois, on voit les gens aujourd'hui, on dit qu'on est enfant de Dieu, même ils viennent dans notre église, et ils ne vont pas porter l'attachement. Mais vous savez, mais comme ces femmes ont porté le voile, l'attachement est là sur leurs enfants, et elles exposent leurs enfants aux gens du monde. Elles vont commencer à pleurer aux dirigeants. Et ma fille, et ils ont forcé ma fille à faire cela. Pourquoi ne pas faire cela? Regarde comment tu présentes ta fille aux gens du public. Ne se perds ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se perde de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction. Il ne faut pas argumenter. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, la femme et le mari sa femme, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, nous allons persévérer. Nous allons continuer. Nous n'allons pas abandonner la foi au nom de Jésus-Christ. Juge 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Verset 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est très grand, c'est très merveilleux. Mais voyons verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Voyez l'explication ici. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Car ils étaient quoi? Car ils étaient ismaélites. S'ils n'ont pas mis cela, moi je dirais que c'est une chose commune, tout le monde l'utilise. Mais que car ils étaient ismaélites, et Gédéon a dit, donne-moi ceci. Et il dit, nous les donnerons volontiers, et il étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux donc demandait Gédéon fut de 1700 cycles d'argent, sans les poissons, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Ces gens-là se seront aussi décorés, ornés leurs chameaux. Gédéon en fit un effort et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des protestations de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa femme et pour sa maison. Une personne humble, une personne consacrée qui est que je ne vais pas dominer sur vous, mes enfants, mes fils, ne domineront sur vous, mais que l'Éternel dominera sur vous. Finalement, les choses qu'on voit sur les Ismaélites, les pendants d'oreilles, les anneaux, l'ont fait égarer. Je ne vais pas m'égarer. Vous n'allez pas regarder les choses de ce monde et les gens de ce monde d'emporter votre cœur par leur habillement, emporter votre cœur par leur apparence. Votre cœur ne sera pas égaré par ces gens au nom de Jésus-Christ. Psaume 73, verset 8. Il raille et parle méchamment d'opprimer. Il peut faire des discours hautains et se voit très grand à cause de ce qu'il porte. S'ils n'ont pas porté ces choses-là, d'une manière, oui, l'esprit de soi est affecté, d'une manière, la personnalité est affectée, d'une manière, la façon dont il se croit s'est affectée.
parce qu'il se gonfle par les choses là qu'il porte sur eux. Verset. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Verset 8. Ils raillent et parlent. Méchamment opprimés et prophètes de discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, verset 11, comment Dieu serait-il? Nous sommes indépendants de Dieu. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Ils sont des gens impurs. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Verset 15. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous voyez les gens du monde et vous voyez ceux qui contredisent et obéissent et désobéissent à la parole de Dieu. C'est comme ils sont heureux, c'est comme ils sont bien portants, c'est comme tout va bien. Tout va bien pour eux. Et l'homme qui a écrit le son sur la tresse a dit que quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au son final des méchants. Si vous regardez le présent, si vous regardez leur habillement, si vous voyez leur ornement, si vous voyez les produits de beauté, les cosmétiques, la façon dont les gens se présentent, vous serez confus. C'est comme tout va bien pour eux. Ils sont religieux aussi. Et jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Amen. Quel autre est-ce au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Il n'y a personne à plaire, il n'y a personne à regarder afin que la personne m'apprécie. Quel autre est-ce au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Qui est votre partage éternel? Qui est votre partage éternel? Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans le monde, au bureau, là où vous travaillez, partout. Et certaines de ces choses pourraient vous attirer. Il faut résister à la tentation. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toute votre vie durant. Et il ne faut pas regarder en arrière, le Seigneur est sur le point à venir. Alors vous êtes fidèles jusqu'au Dieu, vous allez continuer à être fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en. Faites une différence. Vous évangélisez. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Il y a les pécheurs. Quel que soit ce qu'ils portent, il ne faut pas les regarder. C'est nous qui devons avoir la conviction pour dire que voici là où je me tiens.
mais pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui doivent écouter la parole de Dieu, nous ne devons pas nettoyer le poisson avant de le capturer. On capture le poisson et après on continue à écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons déclarer toute la parole de Dieu aux gens. Et n'allons pas compromettre. Mais au départ, n'allons pas essayer de nettoyer le poisson avant de le prendre. Mais pour d'autres encore, ayez sauvé ça, d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. La tunique, les habillements que vous avez portés pour conduire un homme à chuter, une femme à chuter, pour faire des objets. Alors c'est dit qu'il faut haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut, notre Dieu peut. Notre Dieu est capable, à celui qui peut, vous préserver de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les siècles et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le point suivant, la consécration totale sur le manteau de l'OM. Voici ce qui est important pour le ministre, pour l'enfant de Dieu, c'est l'onction. L'onction du Seigneur. L'onction, ce qui importe. Nous, maintenant, nous devons aller avec la puissance de Dieu, avec l'onction qui brise toujours. Qu'est-ce qui doit être notre poursuite? Qu'est-ce qui doit être notre prière? Qu'est-ce qui doit être la chose la plus importante pour nous? Évidemment, ce n'est pas ce qui brille dans le monde. Ce n'est pas ce qui est attrayant aux gens du monde, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le manteau de l'OM. C'est la puissance qui nous fera faire tout ce que le Seigneur nous a appelé à faire. La consécration